Case. Ahmed Amadou a disparu le 8 septembre 2012 alors qu'il se trouvait à un festival électronique au fort de Tamier, en Savoie. Une disparition longtemps ignorée des services de gendarmerie jusqu'à ce que l'ombre de Nordal Lelandais plane point c'est une nouvelle victoire pour le pôle Cold Case du tribunal de Nanterre. Après des années sans avancée, l'enquête sur la disparition d'Ahmed Amadou, aussi connue sous le nom de l'affaire des disparus du fort de Tamier, a enfin connu un sursaut. Un ossement retrouvé en juillet a été identifié comme appartenant au disparu, selon la sœur du témoin. Une information confirmée par l'avocat de la famille, Didier Seban, à West France. J'ai le sentiment que le travail est enfin fait, et bien fait, se réjouit Adeline Morin, la sœur d'Ahmed Amadou, sur Facebook. Après douze ans de questions, de colère, de tristesse, « Je veux croire que nous retrouverons mon frère, qui est aussi un fils, un cousin, un ami. lance soulignant qu'un appel à témoins devrait être diffusé en janvier 2024 et que l'enquête devrait bénéficier d'un nouveau dispositif. 12 ans de mystère L'affaire des disparus du fort de Tamier, ces douze longues années d'enquête et de mystère pour deux familles. Celle de Jean-Christophe Morin, 22 ans au moment des faits, et d'Ahmed Amadou, alors âgé de 45 ans, dont les histoires se ressemblent. Le premier a disparu le 10 septembre 2011 après avoir été vu pour la dernière fois lors d'une soirée électronique organisée au fort de Tamier, sur la commune de Mercure, en Savoie. Soirée qu'il aurait, selon plusieurs témoins, quittée précipitamment. Le second a disparu presque un an jour pour jour, le 8 septembre 2012, alors qu'il participait au même festival. Malheureusement, les individus étant majeurs, le signalement de leur disparition par leur famille n'a pas été réellement pris au sérieux par les enquêteurs. Aussi, rien ne s'est véritablement passé avant novembre 2017. À ce moment-là, le nom de Nordal Lelandais s'affiche dans tous les médias. Le maître chien est soupçonné d'avoir kidnappé puis tué la petite Maëlys lors d'un mariage, mais aussi d'avoir tué le caporal Arthur Noyer. La piste le Landais Et tandis que les enquêteurs se demandent si Nordal le ne se cache pas derrière d'autres crimes, voire s'il n'est pas un « serial killer », les familles de Jean-Christophe Morin et d'Ahmed Amadou trouvent des connexions entre les deux disparus et le maître chien originaire de Chambéry, en Savoie. Aussi, Lorsque, en janvier 2018, la gendarmerie crée la cellule Ariane pour tenter de trouver un lien entre Nordal Lelandais et d'autres affaires non élucidées, l'affaire des, disparue du fort de Tamier, refait surface et enfin, de véritables investigations ont lieu. De premiers ossements sont découverts sur les lieux du festival électronique en octobre 2020. Un crâne est notamment retrouvé en contrebas du fort et des analyses laissent penser qu'il pourrait s'agir de celui d'Ahmed Amadou. Sans qu'il soit possible de l'affirmer formellement en raison de l'état de décomposition de celui-ci. L'enquête relancée à Nanterre. L'enquête est finalement reprise par le pôle dédié au Cold Case, affaire non résolue, du tribunal de Nanterre courant 2023. Des auditions ont, enfin, lieu et de nouvelles fouilles sont réalisées durant l'été. Selon Maître Didier Seban, cité par West France, celles-ci ont permis d'identifier un certain nombre de vêtements, de vieux téléphones portables, ainsi qu'un ossement. Ossement qui a donc été identifié comme appartenant à Ahmed Amadou.